dans le fond, hier, vers les 9h, 9h moins quart, Marc, mon oncle Marc, va à la bergerie. Et en revenant, sent une odeur de brûlé. Il voit dans le champ une flamme. Fait qu'il se rend chez lui, il m'appelle. J'ai pris la motoneige. Je me suis rendu sur place pour aller voir qu'est-ce qu'il y en était. Je me disais que c'était quelqu'un qui avait été porté une motoneige qui brûlait. Jamais j'aurais pensé que ça aurait été un hélicoptère décrasé dans les champs. Oui, c'est vers 21h donc, que les autorités ont été appelées à se rendre ici sur le rang Saint-Jean-Baptiste du côté de Saint-Joachim-de-Courval, dans le secteur là, de Drummondville, pour un écrasement d'hélicoptère. Sur place, nos policiers ont constaté, dans le fond, 3 décès, un homme et 2 femmes, et qu'il va y avoir un travail important au niveau de l'enquête pour connaître les circonstances de cet écrasement.